Cher Père Céleste, nous nous réunissons aujourd'hui pour te rendre grâce pour cette nouvelle journée qui se lève devant nous. Nous te remercions du fond du cœur pour la lumière du matin qui pénètre nos âmes et qui nous rappelle que chaque jour est un don précieux de ta grâce. En cette matinée, nous désirons te louer et te bénir pour toutes les bénédictions que tu as versées sur nos vies. Nous te remercions pour la santé, la vie, la famille et la possibilité de vivre une nouvelle journée en ta présence. Nous te remercions pour les occasions et les défis que cette journée apportera, sachant que chaque expérience est une opportunité de grandir dans notre foi et de nous rapprocher de toi. Père, nous te prions de bénir nos cœurs en ce matin, que ton amour inonde nos âmes et nous remplisse d'une paix profonde, que ton Esprit Saint nous guide et nous fortifie tout au long de cette journée. Accorde-nous la sagesse pour faire les choix justes, la force pour persévérer face aux difficultés et la grâce de partager ton amour avec ceux que nous rencontrons. Nous te prions également pour ceux qui sont dans le besoin en ce jour, soit près des malades, des affligés, des opprimés et des démunis. Que ta main protectrice les entoure et que ton amour les réconforte. Utilise-nous, Seigneur, comme instrument de ta miséricorde pour apporter la guérison, l'aide et la consolation à ceux qui en ont besoin. Nous te demandons de nous rappeler que chaque journée est une occasion de te glorifier, que notre conduite, nos paroles et nos actions reflètent la lumière de ton amour pour que nous puissions être des témoins vivants de ta grâce et de ta puissance. Nous te confions cette journée entre tes mains, en te remerciant pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Éternel, nous te remercions encore une fois pour cette précieuse occasion de prière du matin. Alors que nous nous préparons à affronter cette journée qui s'ouvre devant nous, nous te confions nos espoirs, nos rêves, nos peurs et nos soucis. Nous savons que tu es le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer en tout temps. Nous te prions de nous donner la force et la détermination nécessaires pour faire face à toutes les épreuves que cette journée pourrait nous réserver. Que ton esprit nous guide dans nos décisions et que ta sagesse éclaire notre chemin. Nous te demandons également de nous aider à persévérer dans la foi, même lorsque les nuages de l'incertitude obscurcissent notre vision. Nous te remercions pour la nourriture que tu nous donnes chaque jour, pour le toit au-dessus de notre tête et pour l'amour qui remplit nos vies. Aide-nous à ne jamais prendre ces bénédictions pour acquises, mais à les recevoir avec gratitude et à les partager avec générosité. Nous te remercions pour la nourriture que tu nous donnes chaque jour, pour le toit au-dessus de notre tête et pour l'amour qui remplit nos vies. Aide-nous à ne jamais prendre ces bénédictions pour acquises, mais à les recevoir avec gratitude et à les partager avec générosité. Père Céleste, nous te prions également pour la paix dans le monde, que ton règne de justice et d'amour puisse se manifester de plus en plus parmi les nations. Accorde la sagesse à ceux qui dirigent et inspirent les peuples à œuvrer pour la réconciliation et la coopération. En ce matin, nous te prions pour notre famille, nos amis et tous ceux que nous aimons. Protège-les, Seigneur, et accorde-leur ta grâce et ton amour. Que nos relations soient empreintes de compréhension, de patience et d'acceptation mutuelle. Ô Dieu, nous te remercions pour Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Que son exemple nous guide tout au long de cette journée pour que nous puissions être des témoins vivants de sa grâce et de son amour. Aide-nous à être des porteurs de lumière dans un monde parfois obscur. Nous te confions cette journée
et nos vies tout entières. Que tout soit fait pour ta gloire et ton honneur. Dieu des miséricordes, alors que nous clôturons cette prière du matin, nous voulons te remercier une fois de plus pour ta présence constante dans nos vies. Nous te remercions pour la promesse que tu es avec nous à chaque instant, que tu ne nous abandonnes jamais et que tu es toujours prêt à écouter nos prières. Nous te prions de bénir tous ceux qui suivent cette chaîne YouTube de prières, matin et soir de prières. Que chacun puisse ressentir ton amour, ta paix et ta grâce à travers ces moments de prière. Permets que cette chaîne devienne une source d'inspiration, de réconfort et de croissance spirituelle pour tous ceux qui la regardent. Seigneur, nous te demandons de guider nos pas tout au long de cette journée. Que nous puissions être des instruments de ta volonté, apportant ton amour et ta lumière là où ils sont nécessaires. Permets-nous d'être des témoins vivants de ta puissance transformante dans nos vies et dans celles des autres. Que chaque moment de ce jour soit imprégné de ta présence. Que nous puissions te glorifier dans nos actions, nos paroles et nos pensées. Que ton Saint-Esprit soit notre compagnon constant, nous rappelant ta vérité et nous aidant à persévérer dans la foi. Père Céleste, nous te remercions encore pour cette nouvelle journée, pour les bénédictions passées, présentes et futures. Que notre gratitude soit constante et notre amour pour toi grandissant. Nous te louons et te bénissons de tout notre cœur. Au nom de Jésus-Christ, notre modèle et notre Sauveur, nous faisons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Cher Père Céleste, nous nous réunissons aujourd'hui pour te rendre grâce pour cette nouvelle journée qui se lève devant nous. Nous te remercions du fond du cœur pour la lumière du matin qui pénètre nos âmes et qui nous rappelle que chaque jour est un don précieux de ta grâce. En cette matinée, nous désirons te louer et te bénir pour toutes les bénédictions que tu as versées sur nos vies. Nous te remercions pour la santé, la vie, la famille et la possibilité de vivre une nouvelle journée en ta présence. Nous te remercions pour les occasions et les défis que cette journée apportera, sachant que chaque expérience est une opportunité de grandir dans notre foi et de nous rapprocher de toi. Père, nous te prions de bénir nos cœurs en ce matin, que ton amour inonde nos âmes et nous remplisse d'une paix profonde, que ton Esprit Saint nous guide et nous fortifie tout au long de cette journée. Accorde-nous la sagesse pour faire les choix justes, la force pour persévérer face aux difficultés et la grâce de partager ton amour avec ceux que nous rencontrons. Nous te prions également pour ceux qui sont dans le besoin en ce jour, soit près des malades, des affligés, des opprimés et des démunis. Que ta main protectrice les entoure et que ton amour les réconforte. Utilise-nous, Seigneur, comme instrument de ta miséricorde pour apporter la guérison, l'aide et la consolation à ceux qui en ont besoin. Nous te demandons de nous rappeler que chaque journée est une occasion de te glorifier, que notre conduite, nos paroles et nos actions reflètent la lumière de ton amour pour que nous puissions être des témoins vivants de ta grâce et de ta puissance. Nous te confions cette journée entre tes mains, en te remerciant pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Éternel, nous te remercions encore une fois pour cette précieuse occasion de prière du matin. Alors que nous nous préparons à affronter cette journée qui s'ouvre devant nous, nous te confions nos espoirs, nos rêves, nos peurs et nos soucis. Nous savons que tu es le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer en tout temps. Nous te prions de nous donner la force et la détermination nécessaires pour faire face à toutes les épreuves que cette journée pourrait nous réserver. Que ton esprit nous guide dans nos décisions et que ta sagesse éclaire notre chemin. Nous te demandons également de nous aider à persévérer dans la foi, même lorsque les nuages de l'incertitude obscurcissent notre vision. Nous te remercions pour la nourriture que tu nous donnes chaque jour, pour le toit au-dessus de notre tête et pour l'amour qui remplit nos vies. Aide-nous à ne jamais prendre ces bénédictions pour acquises, mais à les recevoir avec gratitude et à les partager avec générosité. Nous te remercions pour la nourriture que tu nous donnes chaque jour, pour le toit au-dessus de notre tête et pour l'amour qui remplit nos vies. Aide-nous à ne jamais prendre ces bénédictions pour acquises, mais à les recevoir avec gratitude et à les partager avec générosité. Père céleste, nous te prions également pour la paix dans le monde, que ton règne de justice et d'amour puisse se manifester de plus en plus parmi les nations. Accorde la sagesse à ceux qui dirigent et inspirent les peuples à œuvrer pour la réconciliation et la coopération. En ce matin, nous te prions pour notre famille, nos amis et tous ceux que nous aimons. Protège-les, Seigneur, et accorde-leur ta grâce et ton amour. Que nos relations soient empreintes de compréhension, de patience et d'acceptation mutuelle. Ô Dieu, nous te remercions pour Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Que son exemple nous guide tout au long de cette journée pour que nous puissions être des témoins vivants de sa grâce et de son amour. Aide-nous à être des porteurs de lumière dans un monde parfois obscur. Nous te confions cette journée et nos vies tout entières. Que tout soit fait pour ta gloire et ton honneur. Dieu des miséricordes, alors que nous clôturons cette prière du matin, nous voulons te remercier une fois de plus pour ta présence constante dans nos vies. Nous te remercions pour la promesse que tu es avec nous à chaque instant, que tu ne nous abandonnes jamais et que tu es toujours prêt à écouter nos prières. Nous te prions de bénir tous ceux qui suivent cette chaîne YouTube de prières, matin et soir de prières. Que chacun puisse ressentir ton amour, ta paix et ta grâce à travers ces moments de prière. Permets que cette chaîne devienne une source d'inspiration, de réconfort et de croissance spirituelle pour tous ceux qui la regardent. Seigneur, nous te demandons de guider nos pas tout au long de cette journée. Que nous puissions être des instruments de ta volonté, apportant ton amour et ta lumière là où ils sont nécessaires. Permets-nous d'être des témoins vivants de ta puissance transformante dans nos vies et dans celles des autres. Que chaque moment de ce jour soit imprégné de ta présence, que nous puissions te glorifier dans nos actions, nos paroles et nos pensées. Que ton Saint-Esprit soit notre compagnon constant, nous rappelant ta vérité et nous aidant à persévérer dans la foi. Père céleste, nous te remercions encore pour cette nouvelle journée, pour les bénédictions passées, présentes et futures. Que notre gratitude soit constante et notre amour pour toi grandissant. Nous te louons et te bénissons de tout notre cœur. Au nom de Jésus-Christ, notre modèle et notre sauveur, nous faisons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Cher Père céleste, nous nous réunissons aujourd'hui pour te rendre grâce pour cette nouvelle journée qui se lève devant nous. Nous te remercions du fond du cœur pour la lumière du matin qui pénètre nos âmes et qui nous rappelle que chaque jour est un don précieux de ta grâce. En cette matinée, nous désirons te louer et te bénir pour toutes les bénédictions que tu as versées sur nos vies. Nous te remercions pour la santé, la vie, la famille et la possibilité de vivre une nouvelle journée en ta présence. Nous te remercions pour les occasions et les défis que cette journée apportera, sachant que chaque expérience est une opportunité de grandir dans notre foi et de nous rapprocher de toi. Père, nous te prions de bénir nos cœurs en ce matin, que ton amour inonde nos âmes et nous remplisse d'une paix profonde, que ton Esprit Saint nous guide et nous fortifie tout au long de cette journée. Accorde-nous la sagesse pour faire les choix justes, la force pour persévérer face aux difficultés et la grâce de partager ton amour avec ceux que nous rencontrons. Nous te prions également pour ceux qui sont dans le besoin en ce jour, soit près des malades, des affligés, des opprimés et des démunis. Que ta main protectrice les entoure et que ton amour les réconforte. Utilise-nous, Seigneur, comme instrument de ta miséricorde pour apporter la guérison, l'aide et la consolation à ceux qui en ont besoin. Nous te demandons de nous rappeler que chaque journée est une occasion de te glorifier, que notre conduite, nos paroles et nos actions reflètent la lumière de ton amour pour que nous puissions être des témoins vivants de ta grâce et de ta puissance. Nous te confions cette journée entre tes mains, en te remerciant pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Éternel, nous te remercions encore une fois pour cette précieuse occasion de prière du matin. Alors que nous nous préparons à affronter cette journée qui s'ouvre devant nous, nous te confions nos espoirs, nos rêves, nos peurs et nos soucis. Nous savons que tu es le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer en tout temps. Nous te prions de nous donner la force et la détermination nécessaires pour faire face à toutes les épreuves que cette journée pourrait nous réserver. Que ton esprit nous guide dans nos décisions et que ta sagesse éclaire notre chemin. Nous te demandons également de nous aider à persévérer dans la foi, même lorsque les nuages de l'incertitude obscurcissent notre vision. Nous te remercions pour la nourriture que tu nous donnes chaque jour, pour le toit au-dessus de notre tête et pour l'amour qui remplit nos vies. Aide-nous à ne jamais prendre ces bénédictions pour acquises, mais à les recevoir avec gratitude et à les partager avec générosité. Nous te remercions pour la nourriture que tu nous donnes chaque jour, pour le toit au-dessus de notre tête et pour l'amour qui remplit nos vies. Aide-nous à ne jamais prendre ces bénédictions pour acquises, mais à les recevoir avec gratitude et à les partager avec générosité. Père céleste, nous te prions également pour la paix dans le monde, que ton règne de justice et d'amour puisse se manifester de plus en plus parmi les nations. Accorde la sagesse à ceux qui dirigent et inspirent les peuples à œuvrer pour la réconciliation et la coopération. En ce matin, nous te prions pour notre famille, nos amis et tous ceux que nous aimons. Protège-les, Seigneur, et accorde-leur ta grâce et ton amour. Que nos relations soient empreintes de compréhension, de patience et d'acceptation mutuelle. Ô Dieu, nous te remercions pour Jésus-Christ, qui est la lumière du monde.
Que son exemple nous guide tout au long de cette journée pour que nous puissions être des témoins vivants de sa grâce et de son amour. Aide-nous à être des porteurs de lumière dans un monde parfois obscur. Nous te confions cette journée et nos vies tout entières. Que tout soit fait pour ta gloire et ton honneur. Dieu des miséricordes, alors que nous clôturons cette prière du matin, nous voulons te remercier une fois de plus pour ta présence constante dans nos vies. Nous te remercions pour la promesse que tu es avec nous à chaque instant, que tu ne nous abandonnes jamais et que tu es toujours prêt à écouter nos prières. Nous te prions de bénir tous ceux qui suivent cette chaîne YouTube de prières, matin et soir de prière. Que chacun puisse ressentir ton amour, ta paix et ta grâce à travers ces moments de prière. Permet que cette chaîne devienne une source d'inspiration, de réconfort et de croissance spirituelle pour tous ceux qui la regardent. Seigneur, nous te demandons de guider nos pas tout au long de cette journée. Que nous puissions être des instruments de ta volonté, apportant ton amour et ta lumière là où ils sont nécessaires. Permets-nous d'être des témoins vivants de ta puissance transformante dans nos vies et dans celles des autres. Que chaque moment de ce jour soit imprégné de ta présence. Que nous puissions te glorifier dans nos actions, nos paroles et nos pensées. Que ton Saint-Esprit soit notre compagnon constant, nous rappelant ta vérité et nous aidant à persévérer dans la foi. Père Céleste, nous te remercions encore pour cette nouvelle journée, pour les bénédictions passées, présentes et futures. Que notre gratitude soit constante, et notre amour pour toi grandissant. Nous te louons et te bénissons de tout notre cœur. Au nom de Jésus-Christ, notre modèle et notre Sauveur, nous faisons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Cher Père Céleste, nous nous réunissons aujourd'hui pour te rendre grâce pour cette nouvelle journée qui se lève devant nous. Nous te remercions du fond du cœur pour la lumière du matin qui pénètre nos âmes et qui nous rappelle que chaque jour est un don précieux de ta grâce. En cette matinée, nous désirons te louer et te bénir pour toutes les bénédictions que tu as versées sur nos vies. Nous te remercions pour la santé, la vie, la famille et la possibilité de vivre une nouvelle journée en ta présence. Nous te remercions pour les occasions et les défis que cette journée apportera, sachant que chaque expérience est une opportunité de grandir dans notre foi et de nous rapprocher de toi. Père, nous te prions de bénir nos cœurs en ce matin, que ton amour inonde nos âmes et nous remplisse d'une paix profonde, que ton Esprit Saint nous guide et nous fortifie tout au long de cette journée. Accorde-nous la sagesse pour faire les choix justes, la force pour persévérer face aux difficultés et la grâce de partager ton amour avec ceux que nous rencontrons. Nous te prions également pour ceux qui sont dans le besoin en ce jour, soit près des malades, des affligés, des opprimés et des démunis. Que ta main protectrice les entoure et que ton amour les réconforte. Utilise-nous, Seigneur, comme instrument de ta miséricorde pour apporter la guérison, l'aide et la consolation à ceux qui en ont besoin. Nous te demandons de nous rappeler que chaque journée est une occasion de te glorifier, que notre conduite, nos paroles et nos actions reflètent la lumière de ton amour pour que nous puissions être des témoins vivants de ta grâce et de ta puissance. Nous te confions cette journée entre tes mains, en te remerciant pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous prions.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Éternel, nous te remercions encore une fois pour cette précieuse occasion de prière du matin. Alors que nous nous préparons à affronter cette journée qui s'ouvre devant nous, nous te confions nos espoirs, nos rêves, nos peurs et nos soucis. Nous savons que tu es le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer en tout temps. Nous te prions de nous donner la force et la détermination nécessaires pour faire face à toutes les épreuves que cette journée pourrait nous réserver. Que ton esprit nous guide dans nos décisions et que ta sagesse éclaire notre chemin. Nous te demandons également de nous aider à persévérer dans la foi, même lorsque les nuages de l'incertitude obscurcissent notre vision. Nous te remercions pour la nourriture que tu nous donnes chaque jour, pour le toit au-dessus de notre tête et pour l'amour qui remplit nos vies. Aide-nous à ne jamais prendre ces bénédictions pour acquises, mais à les recevoir avec gratitude et à les partager avec générosité. Nous te remercions pour la nourriture que tu nous donnes chaque jour, pour le toit au-dessus de notre tête et pour l'amour qui remplit nos vies. Aide-nous à ne jamais prendre ces bénédictions pour acquises, mais à les recevoir avec gratitude et à les partager avec générosité. Père céleste, nous te prions également pour la paix dans le monde, que ton règne de justice et d'amour puisse se manifester de plus en plus parmi les nations. Accorde la sagesse à ceux qui dirigent et inspirent les peuples à œuvrer pour la réconciliation et la coopération. En ce matin, nous te prions pour notre famille, nos amis et tous ceux que nous aimons. Protège-les, Seigneur, et accorde-leur ta grâce et ton amour. Que nos relations soient empreintes de compréhension, de patience et d'acceptation mutuelle. Ô Dieu, nous te remercions pour Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Que son exemple nous guide tout au long de cette journée pour que nous puissions être des témoins vivants de sa grâce et de son amour. Aide-nous à être des porteurs de lumière dans un monde parfois obscur. Nous te confions cette journée et nos vies tout entières. Que tout soit fait pour ta gloire et ton honneur. Dieu des miséricordes, alors que nous clôturons cette prière du matin, nous voulons te remercier une fois de plus pour ta présence constante dans nos vies. Nous te remercions pour la promesse que tu es avec nous à chaque instant, que tu ne nous abandonnes jamais et que tu es toujours prêt à écouter nos prières. Nous te prions de bénir tous ceux qui suivent cette chaîne YouTube de prières, matin et soir de prières. Que chacun puisse ressentir ton amour, ta paix et ta grâce à travers ces moments de prière. Permets que cette chaîne devienne une source d'inspiration, de réconfort et de croissance spirituelle pour tous ceux qui la regardent. Seigneur, nous te demandons de guider nos pas tout au long de cette journée. Que nous puissions être des instruments de ta volonté, apportant ton amour et ta lumière là où ils sont nécessaires. Permets-nous d'être des témoins vivants de ta puissance transformante dans nos vies et dans celles des autres. Que chaque moment de ce jour soit imprégné de ta présence, que nous puissions te glorifier dans nos actions, nos paroles et nos pensées. Que ton Saint-Esprit soit notre compagnon constant, nous rappelant ta vérité et nous aidant à persévérer dans la foi. Père céleste, nous te remercions encore pour cette nouvelle journée, pour les bénédictions passées, présentes et futures. Que notre gratitude soit constante et notre amour pour toi grandissant. Nous te louons et te bénissons de tout notre cœur. Au nom de Jésus-Christ, notre modèle et notre sauveur, nous faisons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Cher Père céleste, nous nous réunissons aujourd'hui pour te rendre grâce pour cette nouvelle journée qui se lève devant nous. Nous te remercions du fond du cœur pour la lumière du matin qui pénètre nos âmes et qui nous rappelle que chaque jour est un don précieux de ta grâce. En cette matinée, nous désirons te louer et te bénir pour toutes les bénédictions que tu as versées sur nos vies. Nous te remercions pour la santé, la vie, la famille et la possibilité de vivre une nouvelle journée en ta présence. Nous te remercions pour les occasions et les défis que cette journée apportera, sachant que chaque expérience est une opportunité de grandir dans notre foi et de nous rapprocher de toi. Père, nous te prions de bénir nos cœurs en ce matin, que ton amour inonde nos âmes et nous remplisse d'une paix profonde, que ton Esprit Saint nous guide et nous fortifie tout au long de cette journée. Accorde-nous la sagesse pour faire les choix justes, la force pour persévérer face aux difficultés et la grâce de partager ton amour avec ceux que nous rencontrons. Nous te prions également pour ceux qui sont dans le besoin en ce jour, soit près des malades, des affligés, des opprimés et des démunis. Que ta main protectrice les entoure et que ton amour les réconforte. Utilise-nous, Seigneur, comme instrument de ta miséricorde pour apporter la guérison, l'aide et la consolation à ceux qui en ont besoin. Nous te demandons de nous rappeler que chaque journée est une occasion de te glorifier, que notre conduite, nos paroles et nos actions reflètent la lumière de ton amour pour que nous puissions être des témoins vivants de ta grâce et de ta puissance. Nous te confions cette journée entre tes mains, en te remerciant pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Éternel, nous te remercions encore une fois pour cette précieuse occasion de prière du matin. Alors que nous nous préparons à affronter cette journée qui s'ouvre devant nous, nous te confions nos espoirs, nos rêves, nos peurs et nos soucis. Nous savons que tu es le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer en tout temps. Nous te prions de nous donner la force et la détermination nécessaires pour faire face à toutes les épreuves que cette journée pourrait nous réserver. Que ton esprit nous guide dans nos décisions et que ta sagesse éclaire notre chemin. Nous te demandons également de nous aider à persévérer dans la foi, même lorsque les nuages de l'incertitude obscurcissent notre vision. Nous te remercions pour la nourriture que tu nous donnes chaque jour, pour le toit au-dessus de notre tête et pour l'amour qui remplit nos vies. Aide-nous à ne jamais prendre ces bénédictions pour acquises, mais à les recevoir avec gratitude et à les partager avec générosité. Nous te remercions pour la nourriture que tu nous donnes chaque jour, pour le toit au-dessus de notre tête et pour l'amour qui remplit nos vies. Aide-nous à ne jamais prendre ces bénédictions pour acquises, mais à les recevoir avec gratitude et à les partager avec générosité. Père céleste, nous te prions également pour la paix dans le monde, que ton règne de justice et d'amour puisse se manifester de plus en plus parmi les nations. Accorde la sagesse à ceux qui dirigent et inspirent les peuples à œuvrer pour la réconciliation et la coopération. En ce matin, nous te prions pour notre famille, nos amis et tous ceux que nous aimons. Protège-les, Seigneur,
et accorde-leur ta grâce et ton amour. Que nos relations soient empreintes de compréhension, de patience et d'acceptation mutuelle. Ô Dieu, nous te remercions pour Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Que son exemple nous guide tout au long de cette journée pour que nous puissions être des témoins vivants de sa grâce et de son amour. Aide-nous à être des porteurs de lumière dans un monde parfois obscur. Nous te confions cette journée et nos vies tout entières. Que tout soit fait pour ta gloire et ton honneur. Dieu des miséricordes, alors que nous clôturons cette prière du matin, nous voulons te remercier une fois de plus pour ta présence constante dans nos vies. Nous te remercions pour la promesse que tu es avec nous à chaque instant, que tu ne nous abandonnes jamais et que tu es toujours prêt à écouter nos prières. Nous te prions de bénir tous ceux qui suivent cette chaîne YouTube de prières, matin et soir de prières. Que chacun puisse ressentir ton amour, ta paix et ta grâce à travers ces moments de prière. Permets que cette chaîne devienne une source d'inspiration, de réconfort et de croissance spirituelle pour tous ceux qui la regardent. Seigneur, nous te demandons de guider nos pas tout au long de cette journée. Que nous puissions être des instruments de ta volonté, apportant ton amour et ta lumière là où ils sont nécessaires. Permets-nous d'être des témoins vivants de ta puissance transformante dans nos vies et dans celles des autres. Que chaque moment de ce jour soit imprégné de ta présence. Que nous puissions te glorifier dans nos actions, nos paroles et nos pensées. Que ton Saint-Esprit soit notre compagnon constant, nous rappelant ta vérité et nous aidant à persévérer dans la foi. Père Céleste, nous te remercions encore pour cette nouvelle journée, pour les bénédictions passées, présentes et futures. Que notre gratitude soit constante, et notre amour pour toi grandissant. Nous te louons et te bénissons de tout notre cœur. Au nom de Jésus-Christ, notre modèle et notre sauveur, nous faisons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Cher Père Céleste, nous nous réunissons aujourd'hui pour te rendre grâce pour cette nouvelle journée qui se lève devant nous. Nous te remercions du fond du cœur pour la lumière du matin qui pénètre nos âmes et qui nous rappelle que chaque jour est un don précieux de ta grâce. En cette matinée, nous désirons te louer et te bénir pour toutes les bénédictions que tu as versées sur nos vies. Nous te remercions pour la santé, la vie, la famille et la possibilité de vivre une nouvelle journée en ta présence. Nous te remercions pour les occasions et les défis que cette journée apportera, sachant que chaque expérience est une opportunité de grandir dans notre foi et de nous rapprocher de toi. Père, nous te prions de bénir nos cœurs en ce matin, que ton amour inonde nos âmes et nous remplisse d'une paix profonde, que ton Esprit Saint nous guide et nous fortifie tout au long de cette journée. Accorde-nous la sagesse pour faire les choix justes, la force pour persévérer face aux difficultés et la grâce de partager ton amour avec ceux que nous rencontrons. Nous te prions également pour ceux qui sont dans le besoin en ce jour, soit près des malades, des affligés, des opprimés et des démunis. Que ta main protectrice les entoure et que ton amour les réconforte. Utilise-nous, Seigneur, comme instrument de ta miséricorde pour apporter la guérison, l'aide et la consolation à ceux qui en ont besoin. Nous te demandons de nous rappeler que chaque journée est une occasion de te glorifier.
Que notre conduite, nos paroles et nos actions reflètent la lumière de ton amour pour que nous puissions être des témoins vivants de ta grâce et de ta puissance. Nous te confions cette journée entre tes mains, en te remerciant pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Éternel, nous te remercions encore une fois pour cette précieuse occasion de prière du matin. Alors que nous nous préparons à affronter cette journée qui s'ouvre devant nous, nous te confions nos espoirs, nos rêves, nos peurs et nos soucis. Nous savons que tu es le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer en tout temps. Nous te prions de nous donner la force et la détermination nécessaires pour faire face à toutes les épreuves que cette journée pourrait nous réserver. Que ton esprit nous guide dans nos décisions et que ta sagesse éclaire notre chemin. Nous te demandons également de nous aider à persévérer dans la foi, même lorsque les nuages de l'incertitude obscurcissent notre vision. Nous te remercions pour la nourriture que tu nous donnes chaque jour, pour le toit au-dessus de notre tête et pour l'amour qui remplit nos vies. Aide-nous à ne jamais prendre ces bénédictions pour acquises, mais à les recevoir avec gratitude et à les partager avec générosité. Nous te remercions pour la nourriture que tu nous donnes chaque jour, pour le toit au-dessus de notre tête et pour l'amour qui remplit nos vies. Aide-nous à ne jamais prendre ces bénédictions pour acquises, mais à les recevoir avec gratitude et à les partager avec générosité. Père céleste, nous te prions également pour la paix dans le monde. Que ton règne de justice et d'amour puisse se manifester de plus en plus parmi les nations. Accorde la sagesse à ceux qui dirigent et inspirent les peuples à œuvrer pour la réconciliation et la coopération. En ce matin, nous te prions pour notre famille, nos amis et tous ceux que nous aimons. Protège-les, Seigneur, et accorde-leur ta grâce et ton amour. Que nos relations soient empreintes de compréhension, de patience et d'acceptation mutuelle. Ô Dieu, nous te remercions pour Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Que son exemple nous guide tout au long de cette journée pour que nous puissions être des témoins vivants de sa grâce et de son amour. Aide-nous à être des porteurs de lumière dans un monde parfois obscur. Nous te confions cette journée et nos vies tout entières. Que tout soit fait pour ta gloire et ton honneur. Dieu des miséricordes, alors que nous clôturons cette prière du matin, nous voulons te remercier une fois de plus pour ta présence constante dans nos vies. Nous te remercions pour la promesse que tu es avec nous à chaque instant, que tu ne nous abandonnes jamais et que tu es toujours prêt à écouter nos prières. Nous te prions de bénir tous ceux qui suivent cette chaîne YouTube de prières, matin et soir de prières. Que chacun puisse ressentir ton amour, ta paix et ta grâce à travers ces moments de prière. Permets que cette chaîne devienne une source d'inspiration, de réconfort et de croissance spirituelle pour tous ceux qui la regardent. Seigneur, nous te demandons de guider nos pas tout au long de cette journée. Que nous puissions être des instruments de ta volonté, apportant ton amour et ta lumière là où ils sont nécessaires. Permets-nous d'être des témoins vivants de ta puissance transformante dans nos vies et dans celles des autres. Que chaque moment de ce jour soit imprégné de ta présence, que nous puissions te glorifier dans nos actions, nos paroles et nos pensées. Que ton Saint-Esprit soit notre compagnon constant, nous rappelant ta vérité et nous aidant à persévérer dans la foi. Père céleste, nous te remercions encore pour cette nouvelle journée, pour les bénédictions passées, présentes et futures. Que notre gratitude soit constante
et notre amour pour toi grandissant. Nous te louons et te bénissons de tout notre cœur. Au nom de Jésus-Christ, notre modèle et notre Sauveur, nous faisons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Cher Père céleste, nous nous réunissons aujourd'hui pour te rendre grâce pour cette nouvelle journée qui se lève devant nous. Nous te remercions du fond du cœur pour la lumière du matin qui pénètre nos âmes et qui nous rappelle que chaque jour est un don précieux de ta grâce. En cette matinée, nous désirons te louer et te bénir pour toutes les bénédictions que tu as versées sur nos vies. Nous te remercions pour la santé, la vie, la famille et la possibilité de vivre une nouvelle journée en ta présence. Nous te remercions pour les occasions et les défis que cette journée apportera, sachant que chaque expérience est une opportunité de grandir dans notre foi et de nous rapprocher de toi. Père, nous te prions de bénir nos cœurs en ce matin, que ton amour inonde nos âmes et nous remplisse d'une paix profonde, que ton Esprit Saint nous guide et nous fortifie tout au long de cette journée. Accorde-nous la sagesse pour faire les choix justes, la force pour persévérer face aux difficultés et la grâce de partager ton amour avec ceux que nous rencontrons. Nous te prions également pour ceux qui sont dans le besoin en ce jour. Sois près des malades, des affligés, des opprimés et des démunis. Que ta main protectrice les entoure et que ton amour les réconforte. Utilise-nous, Seigneur, comme instrument de ta miséricorde pour apporter la guérison, l'aide et la consolation à ceux qui en ont besoin. Nous te demandons de nous rappeler que chaque journée est une occasion de te glorifier, que notre conduite, nos paroles et nos actions reflètent la lumière de ton amour pour que nous puissions être des témoins vivants de ta grâce et de ta puissance. Nous te confions cette journée entre tes mains, en te remerciant pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Éternel, nous te remercions encore une fois pour cette précieuse occasion de prière du matin. Alors que nous nous préparons à affronter cette journée qui s'ouvre devant nous, nous te confions nos espoirs, nos rêves, nos peurs et nos soucis. Nous savons que tu es le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer en tout temps. Nous te prions de nous donner la force et la détermination nécessaires pour faire face à toutes les épreuves que cette journée pourrait nous réserver. Que ton esprit nous guide dans nos décisions et que ta sagesse éclaire notre chemin. Nous te demandons également de nous aider à persévérer dans la foi, même lorsque les nuages de l'incertitude obscurcissent notre vision. Nous te remercions pour la nourriture que tu nous donnes chaque jour, pour le toit au-dessus de notre tête et pour l'amour qui remplit nos vies. Aide-nous à ne jamais prendre ces bénédictions pour acquises, mais à les recevoir avec gratitude et à les partager avec générosité. Nous te remercions pour la nourriture que tu nous donnes chaque jour, pour le toit au-dessus de notre tête et pour l'amour qui remplit nos vies. Aide-nous à ne jamais prendre ces bénédictions pour acquises, mais à les recevoir avec gratitude et à les partager avec générosité. Père céleste,
Nous te prions également pour la paix dans le monde. Que ton règne de justice et d'amour puisse se manifester de plus en plus parmi les nations. Accorde la sagesse à ceux qui dirigent et inspirent les peuples à œuvrer pour la réconciliation et la coopération. En ce matin, nous te prions pour notre famille, nos amis et tous ceux que nous aimons. Protège-les, Seigneur, et accorde-leur ta grâce et ton amour. Que nos relations soient empreintes de compréhension, de patience et d'acceptation mutuelle. Ô Dieu, nous te remercions pour Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Que son exemple nous guide tout au long de cette journée pour que nous puissions être des témoins vivants de sa grâce et de son amour. Aide-nous à être des porteurs de lumière dans un monde parfois obscur. Nous te confions cette journée et nos vies tout entières. Que tout soit fait pour ta gloire et ton honneur. Dieu des miséricordes, alors que nous clôturons cette prière du matin, nous voulons te remercier une fois de plus pour ta présence constante dans nos vies. Nous te remercions pour la promesse que tu es avec nous à chaque instant, que tu ne nous abandonnes jamais et que tu es toujours prêt à écouter nos prières. Nous te prions de bénir tous ceux qui suivent cette chaîne YouTube de prières, matin et soir de prières. Que chacun puisse ressentir ton amour, ta paix et ta grâce à travers ces moments de prière. Permets que cette chaîne devienne une source d'inspiration, de réconfort et de croissance spirituelle pour tous ceux qui la regardent. Seigneur, nous te demandons de guider nos pas tout au long de cette journée. Que nous puissions être des instruments de ta volonté, apportant ton amour et ta lumière là où ils sont nécessaires. Permets-nous d'être des témoins vivants de ta puissance transformante dans nos vies et dans celles des autres. Que chaque moment de ce jour soit imprégné de ta présence, que nous puissions te glorifier dans nos actions, nos paroles et nos pensées. Que ton Saint-Esprit soit notre compagnon constant, nous rappelant ta vérité et nous aidant à persévérer dans la foi. Père Céleste, nous te remercions encore pour cette nouvelle journée, pour les bénédictions passées, présentes et futures. Que notre gratitude soit constante et notre amour pour toi grandissant. Nous te louons et te bénissons de tout notre cœur. Au nom de Jésus-Christ, notre modèle et notre sauveur, nous faisons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Cher Père Céleste, nous nous réunissons aujourd'hui pour te rendre grâce pour cette nouvelle journée qui se lève devant nous. Nous te remercions du fond du cœur pour la lumière du matin qui pénètre nos âmes et qui nous rappelle que chaque jour est un don précieux de ta grâce. En cette matinée, nous désirons te louer et te bénir pour toutes les bénédictions que tu as versées sur nos vies. Nous te remercions pour la santé, la vie, la famille et la possibilité de vivre une nouvelle journée en ta présence. Nous te remercions pour les occasions et les défis que cette journée apportera, sachant que chaque expérience est une opportunité de grandir dans notre foi et de nous rapprocher de toi. Père, nous te prions de bénir nos cœurs en ce matin. Que ton amour inonde nos âmes et nous remplisse d'une paix profonde. Que ton Esprit Saint nous guide et nous fortifie tout au long de cette journée. Accorde-nous la sagesse pour faire les choix justes, la force pour persévérer face aux difficultés et la grâce de partager ton amour avec ceux que nous rencontrons. Nous te prions également pour ceux qui sont dans le besoin en ce jour. Sois près des malades, des affligés, des opprimés, et des démunis. Que ta main protectrice les entoure
et que ton amour les réconforte. Utilise-nous, Seigneur, comme instrument de ta miséricorde pour apporter la guérison, l'aide et la consolation à ceux qui en ont besoin. Nous te demandons de nous rappeler que chaque journée est une occasion de te glorifier, que notre conduite, nos paroles et nos actions reflètent la lumière de ton amour pour que nous puissions être des témoins vivants de ta grâce et de ta puissance. Nous te confions cette journée entre tes mains, en te remerciant pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Éternel, nous te remercions encore une fois pour cette précieuse occasion de prière du matin. Alors que nous nous préparons à affronter cette journée qui s'ouvre devant nous, nous te confions nos espoirs, nos rêves, nos peurs et nos soucis. Nous savons que tu es le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer en tout temps. Nous te prions de nous donner la force et la détermination nécessaires pour faire face à toutes les épreuves que cette journée pourrait nous réserver. Que ton esprit nous guide dans nos décisions et que ta sagesse éclaire notre chemin. Nous te demandons également de nous aider à persévérer dans la foi, même lorsque les nuages de l'incertitude obscurcissent notre vision. Nous te remercions pour la nourriture que tu nous donnes chaque jour, pour le toit au-dessus de notre tête et pour l'amour qui remplit nos vies. Aide-nous à ne jamais prendre ces bénédictions pour acquises, mais à les recevoir avec gratitude et à les partager avec générosité. Nous te remercions pour la nourriture que tu nous donnes chaque jour, pour le toit au-dessus de notre tête et pour l'amour qui remplit nos vies. Aide-nous à ne jamais prendre ces bénédictions pour acquises, mais à les recevoir avec gratitude et à les partager avec générosité. Père céleste, nous te prions également pour la paix dans le monde. Que ton règne de justice et d'amour puisse se manifester de plus en plus parmi les nations. Accorde la sagesse à ceux qui dirigent et inspirent les peuples à œuvrer pour la réconciliation et la coopération. En ce matin, nous te prions pour notre famille, nos amis et tous ceux que nous aimons. Protège-les, Seigneur, et accorde-leur ta grâce et ton amour. Que nos relations soient empreintes de compréhension, de patience et d'acceptation mutuelle. Ô Dieu, nous te remercions pour Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Que son exemple nous guide tout au long de cette journée pour que nous puissions être des témoins vivants de sa grâce et de son amour. Aide-nous à être des porteurs de lumière dans un monde parfois obscur. Nous te confions cette journée et nos vies tout entières. Que tout soit fait pour ta gloire et ton honneur. Dieu des miséricordes, alors que nous clôturons cette prière du matin, nous voulons te remercier une fois de plus pour ta présence constante dans nos vies. Nous te remercions pour la promesse que tu es avec nous à chaque instant, que tu ne nous abandonnes jamais et que tu es toujours prêt à écouter nos prières. Nous te prions de bénir tous ceux qui suivent cette chaîne YouTube de prières, matin et soir de prières. Que chacun puisse ressentir ton amour, ta paix et ta grâce à travers ces moments de prière. Permet que cette chaîne devienne une source d'inspiration, de réconfort et de croissance spirituelle pour tous ceux qui la regardent. Seigneur, nous te demandons de guider nos pas tout au long de cette journée. Que nous puissions être des instruments de ta volonté, apportant ton amour et ta lumière là où ils sont nécessaires. Permets-nous d'être des témoins vivants de ta puissance transformante dans nos vies et dans celles des autres. Que chaque moment de ce jour soit imprégné de ta présence, que nous puissions te glorifier dans nos actions, nos paroles et nos pensées. Que ton Saint-Esprit soit notre compagnon constant,
nous rappelant ta vérité et nous aidant à persévérer dans la foi. Père céleste, nous te remercions encore pour cette nouvelle journée, pour les bénédictions passées, présentes et futures. Que notre gratitude soit constante et notre amour pour toi grandissant. Nous te louons et te bénissons de tout notre cœur. Au nom de Jésus-Christ, notre modèle et notre sauveur, nous faisons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.